25 diacres ordonnés prêtres de Jésus-Christ à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté, avec pour mission principale l'évangélisation et la conversion des âmes. La mission, c'est de pouvoir prier pour les âmes, pour qu'elles reviennent au Christ. Alors, c'est un sentiment de joie. C'est une grâce et c'est une joie. Je lui demande la grâce de me mettre au service de son peuple qu'il veut bien me confier, de me rendre disponible et aussi d'ouvrir mon cœur à tous ceux qui auront besoin de Dieu. Je voudrais aussi qu'il me donne la grâce d'être un prêtre joyeux qui apporte la paix et la joie dans les cœurs. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi en ce jour que je qualifie de plus grand parce qu'il m'associe à son ministère. C'est lui le grand prêtre et maintenant il me configure à lui qu'il m'aide à pouvoir accomplir fidèlement ce ministère-là, que je sois un prêtre selon son cœur. La tâche est lourde, mais exaltante n'a cessé de rappeler Mgr Jean-Salomon Lesoutier, évêque coadjuteur du diocèse de Yopougon, aux 25 nouveaux prêtres. Prenez ce don que vous recevez, ce don d'être prêtre, comme une grâce. C'est l'humilité qui vous rendra agréable dans vos relations avec votre curé, dans vos relations avec vos supérieurs et surtout avec les chrétiens qui viendront tâter le terrain pour voir si les rapports sont faciles avec vous. Mgr Jean-Salomon Lesoutier demande aux fidèles catholiques de soutenir ses serviteurs de Dieu dans l'accomplissement de leur mission par la prière.